C'est bon. Ah, bon. Alors, on est si papa dit, lorsque l'on coach à toi et liste, et quand j'ai avis personnel, mananga ou majeur Kayao, Kamamu Damunji, ou aller voir Jay, Nawai Kayao, Kajashidan Jay, avis personnel, ou Yelisti, ou en tant qu'amoureux à sport. Car souvent, on a fait que Domana Fédéral, Chambou, Kayao, ou l'équipe nationale, Yelisti, ou analyse le match. Maintenant, Fikiri, Andal Mamchukuri, ni Nyotagazaz, Nyotipi, Amgiovan, ni Mabiel Kamaraba Menji, ou Ka. Nous organisons un nous avons des listes de familles. Nous blessé, Boura est blessé. Chakar Djarata Wakati, Ben Fardou a fait un retour directement. Il a remplacé Rafiki, Abdallah a remplacé Boura. On fait que Zemachi, Yamu Isorahara, Rafiki Katakaya, Boura a 43 ans parce qu'il était un peu touché. Donc, alors qu'on a joué contre un top 20 qui était l'Angola, donc avant ça, mais quand les deux chinois badiri, et du coup badiri, c'est mon de on aime na ya ufanya hasi na quand on a gagné, on a fikiri ka kocha on est sabala kakatina besoin ya ukaya kane madzina ya wano, sangu na besoin ya kane, wana nti wa komoro na hususia wa amini yo, ukavano mlungu rompira mwenzi ya, ya jitole hensi ya, donc on fikiri yo muhimu, l'esprit patriotique, ukaikae. C'est toujours bien d'avoir un master wenge, un majeur ou chaque équipe qui a une collectivité, qui collectif, il a rassuré le coach, avant qu'il n'y ait pas de donc, dans le cadre de la sélection, il y a des gens. Afrika kusini eba mbo analyse je harma tsawe kayao ze asili zonzo kana ba sporteur leo kazina kukana avantage ya match ndo ka majoro watu wa roha maiver la fo Afrique du Sud on est en plein hiver donc yo déjà c'est un plus parce que karna utambia kungi wa kawembe harma tsilona joto haku parce que europura ha ete kai ja njia haku sof donc en fikirie jukai wa tambi shambavi par rapport ne les températures et l'atmosphère. Par contre, l'équipe nationale a tout gagné au Chili, a gagné en Afrique du Sud, Angola 29. Monsieur a continué à zone ça, parce qu'on est en stage. Donc, après, on a eu du temps enrichi, le climat, on a déjà climaté, on a joué, on a rangé des repères, etc. Mais on a mal à jouer au Yosh. Il y a eu du temps enrichi. Donc, on a mis un match par rapport à mes supporters, outre ma contre l'Ouganda, il n'y avait pas de supporters, on a gagné 4-0. Donc, en fait, il y a aussi des choses à faire. Les choses à faire, les erreurs, les accords, les fans, on est assidus à Emma Joël. Et le Joka Oudunga, ils ont coaché à Wambia. Et quand on m'a discipliné, en fait, il y a un autre chose comme ça. Le sélectionneur national, Stéphane Cousine, a dévoilé sa liste. Quelle est votre analyse par rapport à cette liste? Vous avez dit le sélectionneur. Ça veut dire que c'est une sélection. C'est un choix. Il a fait ses choix. On doit respecter ses choix. Ça veut dire qu'il a pris les meilleurs selon lui. Et moi, je trouve que c'est pas une première qu'une équipe ait des blessés. On a eu deux joueurs qui sont blessés, mais directement, on les a remplacés avec des bons joueurs qui sont toujours en sélection. Ben Fardou fait son retour. Sûrement, il aura plus envie de faire plus que ce qu'il a fait déjà. Et notre ami Abdallah qui a remplacé, Ismaël Boura, c'est un habitué, il a toujours montré qu'il était toujours un bon joueur quand on lui donne la chance de s'exprimer sur le terrain. Donc je ne doute pas de la sélection, je ne doute pas du tout du choix du sélectionneur. Ce qui est très important dans une sélection, dans une équipe, c'est la discipline, l'assiduité des joueurs et la manière de se comporter, de travailler avec un sélectionneur comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc j'ai confiance au coach et je sais que on peut avoir des très bons résultats avec ce coach. Maintenant, ce qui reste, il faut voir avec l'adversaire parce qu'on va jouer contre une équipe aussi
qui se prépare, qui joue un derby. C'est pas un match facile. Faut pas qu'on se voit à la face. Regardons l'historique. On n'est pas favori. On part pas favori. Ils sont mieux classés au niveau FIFA. Ils sont mieux classés. Ils ont fait un quart de finale d'une CAN. Ils ont fait une demi-finale d'une CHAN. Donc c'est une équipe qu'on a joué un match depuis FIFA, un match amical qu'on a joué en France. Mais quand on veut voir l'historique des matchs Madagascar-Comores, on n'a jamais fait des très très bons résultats. Donc aujourd'hui, on part en outsider. Mais je pense qu'avec le coach et la détermination de nos joueurs, nous pouvons faire et avoir les résultats que les Comoriens attendent, c'est-à-dire la victoire. C'est-à-dire une première pour une très très bonne. Merci.